Et... Oh pardon. Bonjour à tous et bienvenue sur cette ouverture, nouveau décor. Oui. Oui, nouveau décor car vous le verrez sur la chaîne, pas mal de choses vont changer au niveau des décors parce qu'on en a un petit peu marre. Ouais. Le rythme des vidéos va aussi changer, il y a pas mal de choses qui vont changer, on vous tiendra au courant. Mais en tout cas là on expérimente déjà le nouveau plan des ouvertures. Tout à fait. Il y a des couleurs, c'est plus sympa, le plan est ouvert, on est plus serré comme deux gogoles. Oui, on peut faire ça. On peut faire ça et on peut, voilà, on peut bouger les mains. Regardez, j'en profite, je bouge les mains. Aujourd'hui, on ouvre un truc que je ne connais pas. On ouvre du Pokémon, forcément. Mais c'est un cadeau de Sandar. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est, Sandar? Eh ben, c'est un cadeau de cette forme. Alors, à ton avis, qu'est-ce que c'est? C'est marqué Jouet Club. Donc, c'est un coffret Pokémon. Je le sais tout de suite. Par contre, je ne sais pas. Alors, je pense peut-être à Tocorico. Non. Est-ce que tu sais ce que c'est comme Pokémon? Oui, je m'en rappelle maintenant. Marshadow? Non. Qu'est-ce que ça peut être comme coffret? Je ne sais pas. Est-ce que je dois le deviner ou pas? Ouais, ça peut être drôle. C'est compliqué. C'est un Pokémon que je connais? Oui. Un Pokémon récent? Oui. De Soleil Lune? Oui. Matoufou? Je crois que. Fais l'Inferno. Non. Bon, ouf, parce que j'ai un doute. Elle sait plus ce que c'est. Je suis très content. Donc aujourd'hui, en fait, Sandar, elle n'ouvre rien. Puisque c'est pas un duel. Là, il y a pas de booster, donc je me les garde. Ok. Oui. Je vais les ouvrir. Tu restes avec moi parce que c'est ton cadeau. C'est ça. Ah, c'est chelours! Mais oui! Coffret chelours GX, c'est cool ça! Sympa! Donc 4 boosters sur les lunes, gardien ascendant du coup, et donc je suis très content. Les couleurs sont belles! Ouais, les couleurs sont très belles. Les couleurs en fait vont vachement bien avec le nouveau décor, c'est trop cool. Voilà, la carte Jumbo qui est plutôt cool, elle est vraiment belle, en vrai elle est vraiment chouette. Après Chelours, ce n'est pas un des Pokémon les plus beaux, mais il est drôle, donc ça me plaît. Ouais, puis il est avec la Team Rocket, donc c'est cool. Exactement. Et les 4 boosters, donc est-ce qu'il y a un booster de chaque? Normalement oui. Est-ce que tu as choisi ton coffret? Un petit peu, oui. D'accord. J'ai pris un peu de temps quand même. D'accord, parce qu'en fait Sandar, ce qu'il faut savoir c'est qu'elle choisit ses coffrets, elle les touche comme ça, et elle dit celui-là va être chanceux ou pas. Des fois ça marche pas, donc en fait on n'en sait rien. Donc, j'espère que ça va marcher pour ça. Je l'espère aussi. C'est parti, je commence par vous montrer la petite carte de Chelours GX qui est vraiment très très sympa. C'est une très belle carte en vrai. Le gros plan là vraiment est très très cool, j'aime beaucoup, je sais pas ce que c'est son point. Ah oui, c'est son point, ouais, c'est ça, ok, ouais. D'accord. Donc plutôt sympa la carte. Je vais garder le Fenard d'Alola pour la fin parce que c'est le plus beau. Ensuite Lugarok, je garde Tocopisco et je commence par Ekaizer. Le moins beau. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Bon, on espère être chanceux, on va passer assez vite sur les cartes un peu classiques. Tarinor classique, Nirondelle, Rocabo, Mucuscule, Ramolos, Énergie électrique, Nettoyage de terrain, Bandeau-choix, Métang, Flambusseur, Plumeline. Il y a beaucoup de cartes ou c'est moi là? J'ai l'impression qu'il y en a plus que 10, là, c'est quoi le délire là? Non, et c'est tout, c'est la dernière Plumeline, ok. J'avais même pas fait gaffe à ce que ce soit la rare en fait. D'accord, c'est cool, est-ce que je l'ai celle-là? Mais il y en a plusieurs. Bah ouais, il y en a plusieurs, je ne sais pas. Mais bon, c'est possible que je n'ai pas, donc c'est plutôt cool. Sympa. Bon, j'espère avoir quand même une carte ultra rare. Hein. Tu m'as choisi quand même un coffret, donc j'aimerais bien que ce soit chanceux. On continue du coup avec Tocopisco. Ah, on commence avec Thiboudet, Pas d'oiseau, Froussardine, Bébé Caille, Sofkipou, Énergie, Acier, Mélodelf, Scorvol, Ekaïd. Ah bah c'est marrant, c'est justement la sous-évolution. C'est marrant. Pandarbar en reverse, donc là on a la rare, attention. Oh, Sinistrail. C'est une holo, exactement, et je ne l'ai pas, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Je suis très content, une petite holo que j'ai pas dans la série. Pour rentabiliser ton coffret, il va falloir quand même que tu... Bon, j'aimerais bien que tu... Qu'est-ce que t'as foutu là? Bon, ça va, ça commence doucement, c'est tout. Le Pokémon, c'est tout ça. Oui, oui, c'est ça. C'est une encre. Ah oui, en même temps, il a une attaque ancrage. C'est une encre, effectivement. Il doit faire mal quand même. Du coup, Lugarok, le petit Goopix d'Alola. Oh. Oh. Scrutella, le Vénard. J'espère que je serai Vénard. Chlorobule, Galvaran, Énergie, Feu, Ekaïd encore, mais c'est what the fuck. Civière, Similarbre, Pokémon que j'aime beaucoup beaucoup. Petite River, c'est quoi? C'est l'échange multiple, très sympa. Et... Oh! Pardon. Tu l'avais dit, tu vois, moi je choisis bien mes coffrets. Vous voulez que je choisisse votre coffret? Appelez-moi au 0800 810 801, je vous choisis votre coffret. Non mais Tocopinion GX, en fait c'est une full art, c'est trop cool. Je ne l'avais pas, clairement pas. Non. Les full art comme ça, bah sont, elle est tout en relief, c'est vraiment classe. Trop belle. C'est les full art que n'aiment pas beaucoup les gens, là, avec les fameux fonds d'une seule couleur. J'aime beaucoup. Alors pour le coup... Je trouve que Tocopillon, elle ressort bien en fait. Bon bah c'est une des ultras, alors c'est la combien? La 137 sur 145, bah je suis déjà très content. Puis moi j'aime bien le fond comme ça parce que c'est sobre en fait. Justement ça change des trucs très 3D que je dis tout le temps que je n'aime pas. C'est pas faux non plus, c'est pas faux, c'est pas faux. La sobriété. Ce que j'aime bien du coup dans ces cartes quand même, c'est le contour bleu qui rajoute vraiment quelque chose. Et du coup on finit avec le Fenard d'Alola, j'espère qu'il me portera chance. Oui. Même si là, pour le coup, c'est déjà bien, c'est clair. Sur 4 boosters. Je suis pas déçu, hein, d'être venu. On commence avec Tentacool. Je crois pas que je l'avais, Tentacool, donc ça fait plaisir.
Vampire, Nounours, Savalette d'Alola, Doudouvé, Chétiflore, L'énergie au Gravalanche d'Alola, Potion Max, Ténéfix, Loterie d'énergie en reverse. Et Solgaleo en rare. C'est pas une holo, dis donc, Solgaleo. Mais what the fuck? Mais pourquoi ils ont pas fait une holo? C'est le légendaire de soleil quand même. Et il me semble qu'on avait le légendaire de lune la dernière fois. Enfin, une. Ah, de lune là, je me rappelle ouais, plus. Ce n'est pas une holo non plus. Très content de cette ouverture. Franchement ravi. La petite Sinistrile en holographique qui fait plaisir. Et surtout la Tocopillon GX. Alors là, en full art. Elle est vraiment magnifique d'ici. Vous voyez très bien la brillance. Ça a vraiment de la gueule. Ouais. Je suis très content. Merci beaucoup, Sanson. Merci, merci. De rien. Merci. J'espère que cette petite ouverture vous a plu. Le nouveau décor, j'espère aussi qu'il vous a plu. J'espère que voilà, j'ai arrêté avec mon truc flou, je sais que vous aimez pas trop, là on est plus sur un truc classique, mais qui marche bien. N'hésitez pas, le petit pouce en l'air qui fait plaisir, et puis subscribe, motherfucker, ce serait vraiment cool. À bientôt. Salut.